Eh bien, salut tout le monde, c'est Dalkaï, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la suite, enfin, la suite d'Outlast. Vous étiez nombreux et nombreuses à me le demander depuis des années, on avait quand même arrêté ce let's play durant 2 ans. Oui, 2 ans, j'étais bloqué à un endroit, je n'arrêtais pas de le répéter. Et un jour, comme ça, sur un live, j'ai décidé de reprendre là où j'en étais resté. Heureusement que j'ai pas supprimé la sauvegarde. Et du coup, on se laisse tout de suite, on continue avec le live. Merci à tous d'être là encore après tant d'années sur Outlast. A tout de suite. Eh bien, salut tout le monde, c'est Dalkaï, j'espère que vous allez bien. On est en direct sur YouTube. Yo tout le monde dans le chat, comment vous allez? Et on est en même temps sur une vidéo YouTube. Ça fait deux ans déjà que je suis bloqué sur Outlast. Et aujourd'hui, grâce peut-être à Supernana 1085, qui sait, peut-être, ou bien d'autres peut-être également, on va réussir peut-être à se débloquer. Et pour cela, il faut appuyer sur continuer, bien évidemment. Hey, salut à tous. Super Nana, Silax, RSC Flo, Bapt Guip, Alpatino, Chachou, Ghost Rider, Bonsa. Oh bah, au revoir, Ghost Rider. Mafou, Bada, Axal, Poulet. Ne fais pas ça. Bon, les amis, je suis bloqué ici. Voilà, je suis ici. Alors, le but étant simple, au départ, je dis ça, je dis rien. Au départ, il fallait mettre ici 3 fusibles. Donc, moi, j'ai mis les 3 fusibles. J'ai mis les 3 fusibles. À moins qu'il en manque 3. C'est la bonne question. Ici, on peut appuyer sur rien. Ok, c'est quoi ça? Ici, on a une pile et on a un mec en pseudo-PLS. Déjà, c'est flippant. Et le but est de sortir d'ici. Mais je sais pas ce qu'il faut faire parce que je m'en rappelle déjà presque plus. Déjà, c'est une bonne... Donc, les amis, allons-y. Alors, j'ai volontairement laissé le chat. Hein. Je suis vraiment désolé. Mais c'est parce que les gens du chat vont m'aider et je voudrais que ça apparaisse dans la vidéo pour bien montrer qui m'a aidé. Dédicace à Shunox si tu mates. Dédicace à Shunox. Ah ouais, Shunox, j'ai plus de nouvelles, moi ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Coucou YouTube. Les gars, on avance à tâtons dans le noir. Hein. En position fétale. Il y a un mec là-bas. Je crois que je l'avais déjà passé. Prends une clé de 12, un peu de dégrippant et l'affaire est dans le sac. Pourquoi il court pas lui? Il est bugué ou quoi? Sinon, ça va, tes rituels Non, lui, c'est celui qui tue pas. C'est le fou qui tue pas. Il y en avait 2, c'est vrai. Prier pour la révélation. Mais what the fuck? Mais non. Ouais, c'est con, il y a un décalage pour vous et moi. C'est pas pareil. By Darkov. Bah oui, ça fait flipper, mon ami. J'ai plus de piles. Ta mère, mais des piles. C'est ça, Antonio. C'est ça. Tu rigoles, mais c'est ça. L'idée où le mec, en fait? Ok, je prie, du calme. Du calme, Manon, du calme. Du calme, calmez-vous.
Alors, est-ce que je suis en direct du coup? J'espère, parce que chez moi, c'est un peu boulgouré le live là. Je vous rassure, hein. Toujours vivante. Biblack aussi, je. Biblack, pardon, j'ai encore dit black, pardon. Y'a rien par là. Oh putain, y'est là. Vite, j'ai pas emparé. Il arrive. Je vais me mettre avec le mec en PLS, Pardon, j'ai rien fait, je vous jure. Il y a un léger décalage, effectivement. Éteins la caméra. Oh. On ressent déjà le stress de Dalkaï, il est pile. C'est ça. Écoutez, il est à gauche. Putain, mec, je t'avais oublié, toi. Oh, ta mère, la... Rejoignez le père Martin par les niveaux supérieurs. Putain, pourquoi je lis pas? Par les niveaux supérieurs. Ah bah ouais, y a pas qu'à toi, t'as fait peur, moi aussi j'ai eu peur. Par contre, j'ai plus beaucoup de piles. Est-ce que j'ai encore une pile? Please, une pile. C'est bon, j'ai des piles. Les niveaux supérieurs, il faut aller. Est-ce qu'on peut aller dans la cheminée? Oh putain, priez pour qu'il y ait rien. Non mais t'as raison, c'est flippant sa mère. Bon les gars, on sait qu'il faut aller au niveau supérieur. Déjà c'est... Merci Silax en tout cas pour cette info, c'est vrai que j'avais pas pensé à faire pavé tactile. C'était un peu con mais... Objectif, rejoignez le père Martin. Putain, le père Martin. Monsieur Bipac, bah c'est bien. Ah, le père Martin, la plus grosse arnaque du monde. Père Martin, il est au-dessus. Donc il faut trouver. J'ai cru voir en partant, en courant. Du coup, il y avait une entrée dans le plafond. Et il y avait une entrée dans le plafond. Du coup, il y aurait une entrée dans le plafond. Bonne question. Écoute, on va ouvrir la porte, hein, JPP, on va... Mais non, mais allez, avance. Ouais, bah ils ont flippé, hein. Il reste que les plus forts. Il faut trouver le panneau. Putain, je croyais là-bas. Regardez bien avec moi. Non, il n'y a pas d'objectif. Please. Aïe. C'est bon, on se casse, c'est vite dit. Les gars, il y avait un panneau avec une échelle. Pas une échelle, un... Voilà, les escaliers, c'est par là. Mais les escaliers, c'est où? C'est là ou c'est... Ok. Je l'entends.
Mais fuck, c'est fermé. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Près de la... Non! C'est par là? Oh, j'ai peut-être trouvé. Oh putain, je me suis barré, j'ai peut-être trouvé. Oh sa mère. Non mais je suis en train de redescendre en fait. Non, c'est pas par là. Hein. Salut gamer du 6-6, putain, j'ai les mains moites les potes, j'ai les mains moites, je vais canner. C'est pas par là, hein. On est d'accord. Hein. Bah ouais Manon, t'as vu le screamer, JPP. Je suis sûr c'est la porte là. Cette porte nécessite une clé. Bah ouais mais... JPP, j'ai pas la clé moi. Alors les gars, on fait comment? Là on est en PLS. Hein. On n'a pas de clé. Attendez, attendez. À droite, ici. Il faut que je saute. Comment on saute? C'est quoi ça? C'est qui lui? Fils de pute! La clé est dans la chute de linge. Je me demande comment j'ai fait pour pas pour le terminer ce truc. Dans la chute de linge, c'est là la chute de linge, donc c'est en dessous. Mais je peux pas y accéder. Ok, ciao, monsieur Bibac. Attends, on va ramasser. Ouais, je suis en décalé par rapport à vous. Putain, c'est dommage. C'est dommage. Comment on fait? Et du coup, je sais plus comment... Mais vas-y, passe quoi. Du coup, je sais plus par où je me suis sauvé. Voilà. Mais merde, putain, je sais plus par où je me suis sauvé, gros.
Donc en gros, je me suis barré là. J'ai fait ça. Mais non, je lui ai pas fait la bise. Je me suis dit, peut-être c'est un gars comme l'autre en PLS, il bouge pas. Du coup, les gars, je sais plus par où je suis passé. Alors? Vous avez kiffé ma... Ah ouais, mais je sais plus où c'est le chemin, c'est ça le problème. Mais fuck! Mais non, t'es pas sérieux, je sais plus où c'est le chemin, gros. Fais le tour, mais le tour de quoi? Non, ici on va rentrer dans la porte. Là, un panneau escalier, on est d'accord. Ah, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Putain, mais non, mais non, mais non. Ah là! Putain. Rip les piles, les gars, j'ai plus de piles. Hein. Ah si. Bah ouais, le loup énervé, c'est chaud, hein. Ok, donc c'était pas par là, c'était par là. Ok, donc là on est bon. Là on est bon, là on peut ouvrir, on est d'accord. Ici. D'accord, les gars, là c'est un peu la flippance, mais c'est pas grave. Donc là. Où il y a le... Là où il y avait le mec tout à l'heure, je pense qu'elle doit être là la clé. Parce que je suis pas sûr que les clés elles soient dans les chiottes, gros. Mais que peut-être il a fait un petit pissou, il a laissé les clés. Mais à chaque fois que j'ouvre une porte, j'ai mon cœur, il bat 200 à l'heure. Ok. Ça c'est fait. Tu le touches pas. Des piles. Ok, ouais, non, on va essayer, on va pas. On va essayer de trouver là où il y avait le mec. Mais il me semble que c'était pas là. C'était plus par là, je crois. Non, c'était barré loin. Oh là là, les gars, je suis en stress total. Mais il était où le mec déjà? À mon avis, ça doit être encore. On peut pas monter ici. Putain, mais j'ai déjà plus de piles! Non, je vous l'ai dit, les gars, je suis boulgouré moi dans les jeux comme ça. Quand je suis paumé, hein. Bizarre, la musique, elle s'est arrêtée. Mais les fusibles, je les ai mis, je crois. Les fusibles, ils sont mis. Les fusibles, les trois, ils sont mis, normalement. Si je dis pas de bêtises. Par contre, je sais plus où il est le mec là. C'est chiant ouais quand on est Keblo. Hein. Je crois que c'est par là. Hein. Non, ça c'est les chiottes. Et là on peut pas avancer là. Ok. Donc c'est pas là. Qu'on est venu d'où? Donc nous on est venu de. Non, il faut aller voir où j'ai vu le mec tout à l'heure. Ok, donc moi j'ai sauté là. C'était quoi ce bruit? Encore descendre? Ok. Ok. Oui, bien vu, Al Pacino.
Oh non, t'as raison, hein, prends le pas, parce que, crois-moi, c'est un peu la boule courante. J'ai entendu un taon. Ouais, mais les fusibles, ils ont pas fait mar... chez l'ascenseur. Justement. Il est plus là, le mec? Ah si, le mec est là. Mais ici, y a pas de clé, les gars. Y a rien qui m'indique qu'il y a une clé quelque part. Descends encore? Je peux pas descendre encore, si? Non, je peux pas, je suis au fin fond du fond. Ah, d'accord. Donc, c'est censé être tombé où alors? C'est censé être tombé ici alors? Ah non, y a rien. Merde, je suis keblo, ça me saoule. Putain, 2 ans que je suis bloqué à ce jeu et j'ai racheté tellement ça m'énervait. J'ai tout essayé. Hein. Toutes les solutions que vous dites, je les avais essayées. Ah, franchement, je vois pas. Franchement, je vois pas. Hein. Franchement. Tu regardes, pourtant, on est là, tu vois. Le linge est censé tomber quelque part en bas au rez-de-chaussée. Bon, par contre, il tombe pas ici. Le mec est là-bas à gauche. Bon, on va pas aller vers lui, tu vois. Ça sert à rien. Là, ici, c'est un lit. Il y a quoi sur le lit? Il y a rien. Encore une pile? Ah non, c'est parce que je l'ai pas ramassé. Bonne app, Chachou. Peut-être au-dessus, là où tu as le linge tout à l'heure dans les... Bah. Mais non, mais dans la pièce du mec, j'y suis, y a rien. Faut bien chercher en bas. Là où je suis ou plus haut? Plus haut. Moi, je dirais que c'est plus ici, tu vois. Tu peux pas m'ouvrir? Gros, t'as pas la clé? Moi je dirais ici dans les chiottes on a vu. Mais mes propres pas ils me font peur. Non franchement les gars, j'ai beau essayer hein, mais... On s'en sortira jamais les gars. Je suis pas sûr d'avoir fait cette pièce. Ouais, c'est Steep. Steep version horreur. En gros, ben, j'étais sur Steep et j'ai décalé sur le jeu en fait. J'ai oublié de changer le titre, mais bon, après, on va pas mourir, hein. Yo, avec-moi. Là, on l'a fait. Là, on vient de l'homme. Donc ici, on a fait. Putain, il était où le linge? Là, j'ai plus de pile, plus du tout en plus. Oh, mais nique sa mère.
Là, j'avoue, ouais, bah parce que. Mais non, mais je te jure, hein, les 8 premiers épisodes, c'était le feu, mon frère. Après, c'est devenu la merde parce que j'étais bloqué. Et en plus, j'ai plus de piles, donc rip, quoi. Jamais personne ne m'a réussi à m'aider pour terminer. Pourtant, Dieu sait hein, que j'ai essayé de toutes les manières possibles de le terminer. Rien n'y fait. Ouais, si on part du principe de logicité, mais la logique dans ce jeu, elle est chelou aussi. Et du coup, j'ai pas de pile, putain, j'ai pépé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter. On va relancer là où on était. Oh, mon record, il sert à rien. Je peux le couper. Arrêter l'enregistrement. De toute façon, j'y arriverai pas. Alors, si on fait charger, j'ai deux sauvegardes. J'en ai une du 28 juin 2014. Ah ouais. Celle du... On va charger celle du 28 juin 2014. Putain, dans 2017, gros. Ouais, je vais en partager avec quelqu'un. A plus, Manon. Allez, on part de la dernière sauvegarde que j'ai fait sur le game. Ok, on arrive là. Moi, je suis arrivé là. Donc, on part, moi, je dirais, dans le salle du mec au tuyau, celui que tu cours, s'il est pas là pour rien, logiquement. On part du principe... Ça va, et toi, Dimitri? On part du principe que les trois fusibles sont là. Donc, moi, j'ai appuyé sur le bouton, me semble. Si je dis pas de bêtises, faudrait que je regarde ma vidéo. Non, c'est lock, encore. Salut, GMX. Donc là, il y a un cum. Vas-y, on prend ça. Salut Falco. Donc là, je comprends pas, c'est qu'on n'a pas réussi à... On peut pas descendre nous comme ça ici? Si on se baisse et qu'on saute. Non, ça marche pas. Hein. Je dois descendre les escaliers et prendre à droite. Ok. On va essayer ta technique. Donc là, c'est les escaliers. Là, je descends. Est-ce que je me jetterai pas plutôt? Moi, j'ai sauté là. Est-ce que je me jetterai pas? Alors, on essaye avec la jetée. Fail. Salut Killer du gaming. Pas une bonne idée. Ok. Ok, escalier. À droite, il n'y a rien pour l'instant. Ok. Ok, donc là, je prends à droite. Ok, jusqu'ici, toi. T'auras un long couloir. Attends, vas-y, Super Nana, j'écoute. Ok, là je suis descendu. Là, tu m'as dit, quand tu descends, tu prends à droite. T'auras un long couloir avec un mec. Bonne app, Silax. Je sais pas si c'est là, mais...
Mais non, c'est pas là. Putain, je suis n'importe quoi, les gars. Je suis boulgouré. Merci, Dimitri. Ça fait plaisir. Mais crois-moi, j'aimerais bien me débloquer. Ah, mais le linge, c'est par là. Mais le linge, c'est par là. Mais la clé est là. La clé est là. Succès, libéré, délivré. Quelque chose que je ne referai plus jamais. Oh là 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 là. Deux ans. Bon, les amis, on remonte. Ok. Ta mère. Putain, rip, y'a pas d'escalier, JPP. Ni ta mère. T'es... Bon, les gars, faut vite se trouver. Putain, rip la boule gourance. La clé. Bon, pour l'instant, j'ai trouvé la clé. Ouais, je sais, c'est pas sur Steam, j'ai oublié de changer le nom. Attends, je vais le changer. Je te jure, je... Ok, j'ai marqué Outlast. Outlast. Je vous jure, les gens en live. Mais des fois, je me demande. Outlast, peut-être faut que je trouve une image. Une image de Outlast. Putain, le mec est juste en bas à droite, les gars. J'espère que je vais pas canner. Ok, image en 1920 par 1080. Ok. YouTube, miniature, modifiée, Outlast. Voilà, maintenant le titre c'est Outlast. La clé, l'image c'est Outlast. Allez, maintenant. Il faut revenir d'où on est venu là-haut. Mais comment? Mais comment? Donc là, on a la clé. Là, on a la fucking clé. Il faudrait remonter. Moi, je suis arrivé de là. Mais j'ai sauté pour arriver là. Sauf que l'ascenseur ne va pas. Non, j'ai deux ans. La dernière fois que j'étais bloqué, c'était il y a deux ans. Après, j'ai rage-quit pendant deux ans. J'ai pas essayé, hein, t'inquiète pas. Hein. Non, je déconne, quand je dis deux ans, j'ai pas essayé pendant deux ans, hein, rassure-toi. Ta mère, la pupute. Ouais, mais je sais pas où. Je sais même pas où je vais, les potes. Hein. Dégage. Je crois que c'est par là. Oh, mais fuck, putain de sa mère. À débloquer l'ascenseur, mais de là-haut. Par contre, faudrait que j'arrive à remonter, du coup. La serrure qui va mettre deux ans. Va dans la laverie. Ah, d'accord. Mais écoute, je vais essayer d'aller dans la laverie, mais il faut que je remonte. Il y a l'autre mec là-haut. Il bouge. Je m'en bats les couilles, je vais dans la laverie. Fade, c'est pas là. Ouais, mais je peux pas remonter
Alpa, tu crois. Fail. Fail. Ah putain, j'en ai marre. J'y comprends plus rien. Ok, c'est pas par là. C'est pas par là. T'as qu'à être concentré. Ouais, Mister Day. Je suis désolé, hein. Mais putain, j'essaie d'avancer. Remonte de là où tu es venu. La laverie, c'est là. Ah, c'est peut-être là la porte, non? Non. Non, mais y a rien ici. Oh, y a une pile. Merde, j'ai failli. Vas-y, on prend la pile. Pile ramassée. Tu reprends les escaliers près de la cage d'ascenseur et tu sautes. Ah ouais? T'es sérieuse? Bien vu. Bien vu, bien vu, merci. Oh, putain d'inculé. Bon, je vais t'amener. Mais non, je reviens au même endroit. Ah, il faut que je saute vers là-haut. Fail. Re... Mais non, putain, non. Canne pas. Please. RIP. Tecto. Ah bon, on sait où elles sont les clés déjà. Normalement, on va réussir cette fois-ci. Allez, allez, allez. Mets-lui une droite au psychopathe. Je peux même pas le taper. Bref, donc du coup, ici, on a pris la clé. Putain, ça va, ça a save ici. On va ouvrir la porte. On va ramasser les piles qui sont pas loin. Ok. Ok, ok. Il faut que je saute vers le haut ou vers le bas? Pas pareil. Ah, pour l'instant, on a plus fail que eu peur, tu vois, mais pour l'instant. Ta mère, dégage. Ta mère, dégage. Vers le haut, ok. Je me disais bien que j'étais con. Putain, je reviens le même endroit. Mais dégage, 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 dégage. Please. Ok, vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Mais non, on peut pas sauter vers le haut. Aussi. Oh oui. Oh oui, c'était ça qu'on voulait voir. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Ben voilà. Voilà. La clé. La clé des 2 ans. La clé où on a attendu 2 ans pour recommencer le jeu. J'avoue. Bah ouais, non, mais je respire comme un phoque, je sais. C'est le stress qui monte. Bon. On sait que c'est possible. Oh, tombe pas gros. Nouvel objectif, suivez les traces de sang. Ah ouais, mais là, à un moment donné... Tu me demandes trop de choses, suivez les traces de sang, moi je veux bien. Mais... Elles vont vers où? Ok. Des piles. Ah, c'est pas bon si on doit ramasser autant de piles. Hein.
Nice, nice, nice. Ok. Alors, on va suivre les traces de sang. Je pense que ça va nous mener vers un endroit un peu obscur. C'est quoi ça à droite? Ok. À mon avis, c'est pas bueno. Ouais, c'est que du parcours. Par contre, faudrait pas que je tombe. Oh putain, tombe pas. Enfin. Sauvegarde. Oh putain, la sauvegarde est faite. Les gars, là par contre... soyons attentifs à toute chose. Non, en fait, c'est pas moi qui respire, c'est le personnage. Je me rends compte aussi. RIP ou pas RIP? Non, dites-moi que c'est fait exprès. Moi que c'est fait exprès. Il y avait quelqu'un, il n'y a plus personne. What the fuck? Mais non, pourquoi moi? Non, t'es sérieux, il fallait pas tomber. Moi, je suis sûr, il fallait tomber, on n'avait pas le choix. Je sais pas, je suis tombé. Mais le plafond, en fait, il s'est... Enfin, le plancher, il s'est niqué, quoi. Mais est-ce que c'était quelque chose de voulu ou pas? Ça, c'est la question. On va voir s'il y a des endroits pour passer. Apparemment pas. Ok, donc il va falloir que je grimpe là-dessus. Que je regrimpe ici. Ok. Cyrine. Non, mais tu vois, je suis béton. Mais je suis pas béton là, en fait. Ah, mais c'est quoi aussi? C'est quoi aussi son plancher tout dégueulasse aussi? Le truc qui tombe, il tombe. En fait, je suis tombé là. Je venais de là et le plancher a craqué. Yo, Tapso. Oh merde. J'ai glissé, chef. C'est ça, Super Nuggets. T'es tombé. Oui, je sais. Bon, préparez-vous au cœur. Pour les cardiaques, fermez les yeux. Ça va, RAS. Enfin, pour le moment. En même temps, c'est pas neuf. Ouais, j'avoue. C'est 12. Je rigole. Bah non. Mais non, Manon. Ouais, débloqué, ouais. Débloqué, Silax. Enfin. Oh, merde. Oh, il y a une note. On va la prendre. Asile du Mont Massif, c'est ça, la note. Rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. L'asile de Mount Massive, discrètement fermé par les autorités sur fond de scandale en 1971, rouvert par Murkoff Psychiatric System en 2009 sous couvert d'une œuvre caritative. Perte de réseau téléphonie mobile à 1,5 km, plus probablement à cause d'un brouilleur que d'un problème de couverture. La Murkoff Corporation camoufle depuis longtemps ses activités rentables derrière des œuvres de charité, mais jusqu'ici jamais sur les territoires américains. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais ça a l'air d'être un gros coup. Peut-être de quoi les faire
couler si l'article réussit à paraître. On va y arriver. Si là. Je suis à l'intérieur, le témoin, la cellule, les recours. Mais je crois que c'était... Il y a tellement de sang dans l'eau qu'on peut le sentir. C'est assez dégueulasse. Ok. Bah, si c'est plus dur, je pense qu'on va... On va finir par se laisser. Je vais aller manger et je reviendrai... un peu plus tard. Bon. Salut Jordan. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce fucking bruit? Déjà ici c'est fermé. Outlast. Si là que ça veut dire retour du let's play, ouais, je vais record ce qui a été. Ce qui a été réussi. Je vais récupérer ça sur YouTube. Et je mettrai ça ensuite. Ok, les gars, on arrive sur des bails chelous. Ok. Lie, je sais pas ce que ça veut dire. Don't lie, ça veut dire... Lie, je sais plus ce que ça veut dire. Il y a des anglophones. Je sais pas, on va essayer. C'était pas le truc... On peut pas avancer. Et rip mon record. Pas avancer apparemment. Bye. Sirine, bonne app à toi. Mister D. J'ai envie, parce qu'en fait, demain, je vais faire du. GTA. Donc, j'aurais bien voulu terminer sur. Enfin, pas terminer le jeu, bien évidemment, mais. What the fuck. Les gars, j'ai peur. Salut Ramucho. Ok, donc du coup on a une nouvelle note, je suppose. Mensonge. Je reconnais l'écriture. Le père Martin a tué un homme ici. Est-ce que les mensonges dont il parle, ce seraient les dossiers qui ont disparu de toutes ces boîtes? Les faits, les archives? On dirait des documents d'une agence officielle. Ils ont l'air d'avoir au moins 30 ans. Probablement plus. Je commence à réfléchir à ces histoires de... M-Cultra de CIA, de contrôle mental, le bourdonnement est permanent. Là, également mensonge, bien évidemment, puisque le message, c'est mensonge. Merci, Super Nana. Putain, je suis nul en anglais à ce point. On avait un document, on l'a pas lu, en fait, j'ai lu un pas bon document. C'était « Vous m'aviez promis un jardin de roses ». Extrait du journal intime de Shirley Pierce, patiente de l'hôpital psychiatrique de Mount Massive, 1952 à 1964. Pourquoi ne réussis-je pas à me rappeler d'où viennent les coupures. Elles sont tellement douloureuses, même après plusieurs jours, le docteur Newhouse me dit que c'est de ma faute, que mon subconscient résiste à l'hypnothérapie, mais j'ai tellement envie d'aller mieux que je ne vois pas pourquoi je m'infligerais une chose pareille. Le docteur Newhouse dit que c'est une autre caractéristique de mon hystérie due à la chambre. Pauvre Bruce. Je le fais tant souffrir. J'ai essayé avec tact de demander à Madame Jackson si elle avait le même genre de problème avec son mari, mais elle répugne à en parler. Son mari a lui aussi trouvé le réconfort auprès d'une femme plus jeune. Je sais que les médecins ne veulent que notre bien et que grâce aux agents gouvernementaux qui ont rejoint le personnel, je ne peux espérer être mieux soigné. Je vais prendre mes pilules et m'endormir en espérant faire des rêves moins désagréables cette nuit. Demain, tu stream à quelle heure GTA? Je ne sais pas. Yo, Nolan, j'ai pas fait attention à ton message, excuse me. Silak, JPP, pourquoi? Ramucho, c'est surtout de survie si tu peux. Survie si tu peux, horreur. J'ai pas fait attention. Qui a cours demain? Pas moi. Les amis, on se laisse ici. Salut le Nolan. Salut. On se laisse ici, les amis. On continuera l'aventure en live, puisque bah, grâce à vous, grâce à votre patience surtout,
Après 2 ans de coupure du jeu, salut Hassan, Hussein, ouais, excuse-moi, j'ai du mal à lire, je suis boulgoré, j'ai eu un peu peur. Après 2 ans de coupure de ce let's play, le let's play reprend tranquillement, on risque encore d'être bloqué pas mal de fois, parce que vous le savez, je suis quand même quelqu'un d'assez boulgoré, non je rigole, on va réussir à le terminer, je pense, on est un peu plus dans le bain, on se retrouvera. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à... comment dirais-je... à ce déblocage. Alors, j'ai pas réessayé, enfin, je préfère le dire quand même avant de finir la vidéo, qui sera sur YouTube, j'ai pas essayé pendant 2 ans. C'est-à-dire que j'étais bloqué, j'ai essayé pendant 2-3 fois, j'ai arrêté pendant 2 ans d'y jouer, mais j'ai pas retenté. Donc là, j'ai retenté et on a réussi. J'aurais peut-être dû le faire avant, c'est pas grave. Mais, au moins, on continue. Outlast 2 arrive prochainement, enfin cette année, 2017, me semble, si je dis pas de bêtises, comme ça on aura l'occasion aussi de se retrouver dessus. Ciao tout le monde! Comme d'habitude, bon game à tous.